Les feux de forêt ont occasionné une catastrophe environnementale au Maroc, avec la perte alarmante de plus de 1 400 hectares de son couvert forestier entre juillet et août 2023. Ainsi, le pays est en train d'intensifier les efforts afin de renforcer la résilience des écosystèmes forestiers et promouvoir le développement économique. C'est dans ce cadre que le Maroc bénéficiera d'un prêt de 100 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement sur la période 2024-2028. Le Maroc fait face à des problèmes d'ordre environnemental. Il aurait perdu plus de 1 400 hectares de son couvert végétal. Les événements de tremblements de terre qui ont occasionné des mouvements considérables de population n'ont pas arrangé la situation déjà tendue. Le Maroc a besoin de restaurer et de promouvoir sa biodiversité. Il est ainsi confronté à un besoin en quantité, mais aussi en qualité de personnel outillé pour ce faire. Ce prêt aidera le Maroc à mettre en œuvre son projet de gestion inclusive et durable des forêts. Ceci vise à assurer une gestion durable des ressources naturelles, promouvoir l'écotourisme et valoriser les secteurs économiques forestiers, tout en contribuant au développement socio-économique des populations marocaines concernées. Les engagements internationaux et stratégiques du pays, surtout en matière d'atténuation, d'adaptation au changement climatique, sont d'une importance capitale. Le Maroc estime à 38,8 milliards de dollars américains le coût global pour effectivement mettre en œuvre sa politique de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Si cette politique venait à bénéficier de l'appui des partenaires à hauteur de 21,5 milliards de dollars d'ici à 2030, les prévisions estiment que le niveau d'émission serait stable, voire à la baisse. Avec cet appui de la Banque européenne d'investissement, le pays nord-africain se dotera de moyens dans le but de créer plus de 27 500 emplois et d'augmenter la valeur marchande des secteurs productifs et écotouristiques à environ 0,5 milliard d'euros par an. Le Maroc a fait des progrès significatifs dans la lutte contre les défis environnementaux mondiaux.